Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour. Allez, nous sommes partis. C'est parti. Hop là. Avec le tarot essentiel. Donc là, il est question de l'ouverture. Ah, j'aime beaucoup cette carte de l'ouverture parce que elle nous parle essentiellement de... Elle est en lien avec la papesse dans le tarot traditionnel, et c'est un temps de réflexion en fait qui est à utiliser au mieux pour avoir accès à son potentiel, à toutes ses potentialités. C'est aussi prendre conscience en fait de ta part masculine et de ta part féminine, du faire masculin, de l'être féminin. Ça revient beaucoup en ce moment, je trouve, quand même. Et aussi, eh bien, de tout, peut-être toutes ces contradictions et paradoxes que les deux peuvent poser lorsqu'ils ne sont pas en équilibre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment... À chaque fois, ça te demande de t'arrêter, de faire une pause et d'équilibrer le masculin et le féminin en toi. Et bien, par exemple, quand tu penses à quelque chose, il y a quelque chose que tu aimerais... Il y a un désir, par exemple, au fond de toi, il y a un désir. Et comment aller vers ce désir? Comment manifester ce désir? Le désir, donc, est intérieur, féminin. Et pour le manifester, tu vas avoir besoin de l'action du masculin. Donc, de réaliser des étapes, un plan, une stratégie, pour pouvoir manifester ce qui te tient à cœur. Et les deux en équilibre permettent d'être dans sa pleine incarnation, hein, finalement. Là, il est question de ça en ce moment. Là, cette carte-là, elle représente le consultant, la consultante. Donc, voilà, elle parle de son état de vie, de son état d'esprit. Et peut-être que c'est ton état d'esprit, ton état de vie en ce moment. Hop, on la met là. Nous la mettons. C'est parti. Là, nous allons aller voir justement les potentialités. Puisqu'il était question de potentialité, justement, de découvrir ces... d'utiliser au mieux tout son potentiel en équilibrant son féminin et son masculin, et bien là nous allons aller voir ce qu'il y a. Ah, c'est à l'envers. Oui, ça se lit à l'envers. Ce qu'il y a justement à travailler, à élaborer, à aller voir. Je reviendrai sur ces différentes cartes si j'en ai le temps, parce que ça passe vite. Ici, c'est la révélation. La révélation, moi, je l'aime bien parce que c'est la carte du monde, en fait, dans le tarot traditionnel. Et c'est cette notion de voir la vie de manière positive, en fait. C'est vraiment ça. C'est de peut-être changer ta perception des choses, de ce que tu vis. Et de t'élever au-dessus de ce que tu vis et de voir les choses, bah, comme on dit, de voir le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc c'est imaginer ta vie de manière positive, avec enthousiasme, avec joie, hein, de manière joyeuse. Et aussi savoir te célébrer. Hein, voilà, savoir te célébrer aussi. Donc c'est ça. Ce qu'il y a peut-être à, voilà, à développer, à aller voir en toi par rapport à une situation, si tu as une question bien précise. Ouais, je continue. Là, elle est à l'endroit et nous avons donc la conception. La conception, bien, il y a quelque chose qui est en création. La conception, c'est l'impératrice. On avait la papesse,
Ici, avec la carte de l'ouverture, 2. Et là, nous avons le 3. Et donc, ça suit, c'est la conception, l'impératrice dans le tarot traditionnel. Eh bien, c'est justement, nous parlions de ces contradictions qu'il pouvait y avoir ici entre le féminin et le masculin en soi. Et du coup, ça peut complètement se voir aussi dans un couple à l'extérieur, hein, également. Et donc, ça te donne une piste, cette guidance te donne une piste sur ce qu'il y a à aller voir chez toi pour améliorer ta relation dans ton couple, dans ton duo. Et nous l'avons vu ici. Donc, d'abord, l'équilibre entre le féminin et le masculin, je t'en ai parlé. J'en ai parlé et d'aller voir justement un moment de pause pour aller voir aussi tout ce potentiel que tu as en toi. Et la carte du monde qui est vraiment très très positive, qui te dit de voir les choses de manière vraiment positive, de t'élever au-dessus des difficultés, de percevoir la vie avec joie en fait, de manière plus joyeuse. Voilà. Et donc, ça, c'est cette carte-là sont les forces majeures. Alors, les forces majeures, elles peuvent être positives ou négatives, elles peuvent aider, hein, ou au contraire desservir, être un obstacle, dans le sens d'être un obstacle, une difficulté, c'est ce qui permet de les repérer. Là, on a quelque chose de vraiment positif. En plus, la carte est vraiment à l'endroit, pas à l'envers. Et donc, cette conception qui suit la carte de l'ouverture ici. Eh bien, elle te demande justement de savoir utiliser les paradoxes en toi, les contradictions en toi qu'on a vues hein, avec le féminin et le masculin en toi, justement. Savoir utiliser ça ben, au mieux, en fait, pour pouvoir atteindre, réaliser tes objectifs. Ces contradictions en toi. Qui demande à être vue, hein, à être mis en lumière. Elle te, voilà, utilise-les. En fait, elles sont un tremplin pour toi. Utilise-les pour réaliser ce qui est important. Elles ne sont en aucun cas une difficulté et un obstacle. Là, elles se présentent comme étant vraiment une aide. Donc, utilise ces contradictions. Vois comment tu peux les utiliser pour être un tremplin. Donc peut-être cesser déjà d'y résister et les accueillir, les accepter, c'est-à-dire accueillir toutes les parties de toi. Être toi dans ton entièreté. Ah, la quintessence, tu vois que nous avons ici le nombre 5, le chiffre 5, qui nous parle vraiment de changement. Et la quintessence, eh bien, c'est le pape, c'est intéressant. Nous avons un couple, l'ouverture, la papesse, la quintessence, là, le pape. Nous avons un duo, un couple. Donc c'est vrai que ça nous parle visiblement, la guidance nous parle d'un duo ici et comment améliorer sa relation dans le duo. Dans le duo qui soit donc au niveau sentimental, amical, familial, voilà, hein, amoureux. ou professionnel, pardon, il m'en manquait un. Donc là, c'est la voix de l'écoute intérieure. D'abord, pour pouvoir savoir écouter l'autre, c'est. Et tu t'écoutes-tu toi d'abord, hein? Et c'est justement, il y a cette forte connexion avec soi-même dans cette écoute intérieure, écouter son intuition, être en contact avec son corps, avec son système énergétique. L'âme, pour te parler, elle utilise tout le système énergétique. Donc la quintessence ici, elle te dit, es-tu capable, arrives-tu à faire le lien entre le corps et l'esprit pour comprendre ce que tu vis ici et maintenant? Donc c'est un vrai défi. Hein, en fait, et c'est comprendre les défis de ta vie et ton corps va te renseigner. Je parle souvent d'expansion, de contraction dans le corps, expansion, t'as l'impression que quelque chose s'ouvre, il y a une détente, une légèreté,
justement une ouverture. Hein. Nous avions l'ouverture ici quand le masculin et le féminin sont équilibrés. Il y a cette notion d'expansion et d'ouverture. Et puis, ou alors, sens-tu une contraction, quelque chose, l'intérieur, ça se contracte, ça se durcit, il y a une résistance. C'est ça, lorsque tout est fluide, tu te sens détendu, relâché, tu te sens bien, et là c'est un grand oui. Et lorsque il y a des résistances, des obstacles, eh bien c'est une contraction à l'intérieur, et là c'est un non. Voilà comment ton corps peut te parler, voilà comment aussi peut-être c'est une voie pour faire le lien entre corps et l'esprit, et bien sûr tu peux utiliser ta respiration. Pour être dans une écoute intérieure, te poser, porter attention à ta respiration et voir ce qui vient en toi, voir ce qui te traverse hein, en image, en sensation physique, en message que tu peux sentir, que tu peux entendre, te traverser ou voir des images qui te traversent ou des frissons, des picotements, des fourmillements. Juste, souvent quand ça vient que tu poses une question, ben ça c'est souvent un grand oui quoi, quelque chose, hein, ça peut être des vagues de froid aussi. Voilà, donc il y a cette notion de faire le lien entre le corps et l'esprit. Là tu as deux pistes en fait, deux clés ici. Hein. Je te parlais avec la révélation à l'envers, et puis bon, je vais terminer, je voulais prendre d'autres jeux mais je n'aurai pas le temps. Je voulais aller voir un petit peu plus loin avec toi, avec la quintessence. La quintessence, c'est aussi le verbe, hein, c'est le souffle de l'âme. C'est pour ça que je te parlais de... C'est pour ça qu'on parle du lien entre le corps et l'esprit. Et c'est pour ça que je te parlais de la voix de ton âme. Hein. C'est l'intuition, la voix de l'âme aussi. Et donc là, eh bien... Il est question de cette puissance-là, du verbe, fais attention à tes paroles. Est-ce que la parole est alignée, pensée, parole, action sont alignées, sont en cohérence? On parlait de contradictions tout à l'heure et de vraiment d'utiliser ces contradictions. C'est aussi l'enseignement, c'est la bienveillance, la générosité, cette quintessence-là. Et là, en fait, c'est très intéressant parce qu'elle est en lien avec l'ouverture. On a beaucoup de cartes, beaucoup de cartes qui se suivent finalement ici. Ce sont les qualités de l'ouverture. Elle a les qualités de l'ouverture, cette carte-là. On l'a vu, voilà. Et en même temps, elle dévoile justement des enseignements, elle dévoile tous ses secrets en fait à celle ou à celui qui veut bien les entendre. C'est pour ça qu'on parle de la voix de l'âme aussi. C'est la voix de l'âme est entendue, ressentie à celui ou celle qui veut l'entendre. Voilà. Et elle représente à elle toute seule la quintessence, l'âme humaine. Et, elle représente ton essence en fait. La guidance t'amène à venir vers qui tu es vraiment, à ton essence. Est-ce que ton essence est la paix, la joie, l'humour, tu vois? Il est vraiment question de tout ça ici. Donc cette carte, elle te propose de faire le lien entre ton potentiel, ton plein potentiel et tes défis. Voilà. Elle peut symboliser aussi la résilience, le pardon et représenter un guide. Elle peut annoncer une rencontre importante également. Et cette personne peut être un thérapeute, un médecin, quelqu'un voilà, comme ça qui peut apporter aussi son aide ou un enseignement. C'est vraiment tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? En tout cas, elle t'écoute vraiment à cette parole intérieure, hein, au message que tu reçois de ton âme là. Vraiment. Je vais terminer quand même avec une carte. J'ai un petit peu de temps. La carte du grand génie, Mademoiselle Lenormand.
Une seule, et eh bien voilà, ça c'est une étape très importante où l'alchimiste verse le dissolvant dans la lampe philosophique. Donc il y a vraiment une notion de. C'est avant de réalisation, d'aboutissement, c'est avant l'œuvre au rouge. Hein. C'est vraiment avant l'œuvre au rouge. Il y a l'œuvre au blanc avant l'œuvre au rouge, les déclics, les prises de conscience. Et puis là, il est question de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. De nouvelles opportunités. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est aussi la fin d'un chemin. Il y a une belle avancée en fait. C'est ce qu'elle te dit. C'est ce qu'elle te dit cette carte. Il y a vraiment une très très belle avancée. Il est question aussi de souvenirs. Voilà. Parfois on peut être un petit peu nostalgique, un petit peu triste. Peut-être en retrouvant certaines personnes, en retrouvant certains lieux. Ici, bon, bah, le temps passe et puis chacun bah, vit, en fait, est occupé au quotidien, à ses obligations. Et parfois, il y a des séparations, il y a des éloignements. Voilà. En fait, une fois que tout ça est passé, que l'émotion est passée, bah, c'est cette notion de vivre à nouveau. Hein, c'est cette notion de joie de vivre à nouveau. C'est vraiment ça. Et puis, il peut y avoir des retrouvailles. Voilà. Une fois que tout est passé, que le temps a fait son œuvre, il y a des retrouvailles qui sont tout à fait possibles. Cette fois-ci, bah, par exemple, une relation peut être vécue autrement, plus dans le présent, hein, se projeter vers l'avant, dans le futur. Et c'est peut-être ce qu'elle te dit, cette guidance, c'est de vivre au moment présent sans te projeter, voilà, sans te projeter demain. Profiter pleinement des liens qui t'unissent justement à certaines personnes. Et qui seront toujours là en fait, et qui ont toujours été, qui sont des liens qui sont solides ici. Que ce soit une histoire d'amour ou une relation amicale, hein, ou d'amitié justement. Là, il y a quelque chose qui peut reprendre la route en fait. Il y a quelque chose qui peut. C'est plus que s'améliorer en fait, c'est quelque chose qui reprend avec joie, mais après que le temps ait fait son œuvre. Voilà, j'espère que cette guidance t'apportera, et nous nous retrouvons ce week-end pour les énergies de la semaine prochaine. Merci à toi. Je te rappelle que tu as toujours 20 minutes offertes supplémentaires sur une guidance privée avec moi d'une heure. Donc ça fait 1h20 au total. Donc jusqu'au 31 janvier. Et tu as aussi jusqu'au 31 janvier moins 50% sur la formation Grand Jeu Le Normand avec le code SACRE, SACRE en majuscule 2022 jusqu'au 31 janvier moins 50% de réduction sur la formation du Grand Jeu Le Normand. C'est ce jeu-là, voilà, c'est celui-ci, un jeu extraordinaire dans sa vérité aussi. Et aussi dans sa complexité, mais très très riche, très intéressant. Merci à toi. Bon week-end.